28 minutes, 11 secondes et 22 centièmes. C'est le temps qu'il a fallu à Morad Hamdouni pour devenir champion d'Europe du 10 000 mètres. Le Porto Vecchio s'est imposé en patron sur le stade olympique de Berlin, à l'endroit même où il avait été éliminé au championnat du monde en 2009. Ça me touche, le fait de pouvoir gagner ici depuis... revenir ici sur ce stade-là qui est mythique pour moi et qui, à un moment donné, surtout qui était un combat. Donc depuis 2009, j'ai enchaîné blessure après blessure. Donc le fait aujourd'hui d'être le premier Français à être médaille d'or, pour moi, je le tiens vraiment à cœur. Cette victoire, le sportif a dû attendre ses 30 ans et des années de galère pour l'arracher. Pourtant, dès ses débuts à l'athlétic jeune de Bastia, Morad Hamdouni en était sûr. Il avait l'étoffe d'un champion. Morad, dès le début, a dit « je veux être le meilleur et je veux aller jusqu'au bout de mes rêves ». Il a quelquefois voulu peut-être précipiter les choses, mais il peut aller. Il n'est pas encore au bout de ses rêves, il a encore beaucoup de rêves à réaliser parce qu'il en a les moyens. Le Porto Vecchio n'a pas encore savouré sa victoire qu'il regarde déjà vers le futur. Après le titre de champion d'Europe, pourquoi pas celui de champion du monde ?